Ça fait très longtemps que l'on se connaît. On s'est rencontrés au Conservatoire de Paris. Et ça faisait très longtemps que nous voulions nous retrouver autour d'un projet commun à deux pianos, mêlant l'écrit et l'improvisé. Plutôt issus de la fin du 19e et puis 20e siècle, et puis quelques compositeurs même du 21e siècle, et donc sur lesquels on s'amuse à retraiter le texte de manière légèrement différente, où on va inclure de l'improvisation, puis revenir au texte, créer des sortes de boucles et de césures pour perdre un petit peu l'auditeur, tout en lui laissant quand même quelques repères. Le style, c'est classique et le jazz, c'est la musique classique qui s'est inspirée du jazz et le jazz qui s'est inspiré de musique classique. On trouve beaucoup de points communs entre les deux et on apporte chacun sa touche personnelle avec beaucoup de joie. Et oui, ça, c'est, la dimension du plaisir est très importante. Même j'ai tiré la dimension passionnée. Pour moi, la définition de la liberté en musique, c'est surtout le travail quotidien sur les détails, sur la structure. Une fois que tout est décidé, tout est travaillé, il n'y a pas de hasard, je peux penser que j'ai trouvé une liberté. Pour moi, la liberté, c'est d'abord la construction. Liberté sont lorsqu'on s'oublie totalement, où ce n'est plus nous qui jouons, mais que ça joue tout seul, où on n'est plus qu'une sorte de véhicule. Et ce genre de moment, c'est ce genre de moment qu'en général les artistes recherchent. Chaque musique a son histoire, son tempo, sa respiration, son balancement. Le principal, c'est de se retrouver sur cette... On se connecte rythmiquement en premier lieu. Donc avec Verduy, ce qui est vraiment très enthousiasmant dans ce projet, c'est que c'est très facile de se connecter. Thank you.
Mais la question, c'était quoi?